Nacht ist das Jahr. Breit in den Schultern steht wieder der Mann von uns, wie er war. Schellmann und Schellmann verheulen, Deutschland zu sterblicher Sohn. Schellmann ist niemals gefallen, Stimme und Faust der Nation. Schellmann ist niemals gefallen. Et donc salut tout le monde, c'est Flavius Contentieux et on se retrouve pour un nouvel épisode sur... Oula, le jeu qui relag, c'est génial. On se retrouve de nouveau là sur R3-4 avec l'Allemagne communiste. Précédemment nous étions en train de défoncer littéralement les Allemands, oui on peut dire ça comme ça. Donc alors, nous avions réussi à faire une poche dans le nord à Kiel. Bon là maintenant faut que ça meure, mais bon ça va mettre un peu de temps. Et nous étions en train de faire des poches qui commencent à coûter légèrement cher à l'ennemi. Alors, camarade Kaiser, justement, parlons de vous. Parlez-nous un peu de vous. Nous sommes, alors, camarade Kaiser, pour ceux qui n'auraient pas compris, me râle dessus parce que je peux prendre Berlin. Alors, le problème, c'est que si je prends Berlin, déjà que là, je suis pas assuré de tenir. Voilà, merci. Donc, déjà que je suis pas assuré de tenir ma position. Alors, en plus, si ça ne fonctionne pas, parce que l'IA peut se rendre, ou elle ne peut pas se rendre, et... Franchement, la dernière chose que je voudrais, c'est que la ville se rende. C'est bon. Là, on attaque ici. Je veux bien tenter de prendre Berlin, mais bon... Bon, allez, on va voir. Si Berlin tombe, je rigole quand même. Excusez-moi, je vais prendre Berlin, il n'y a personne? Non, je pense que là, normalement, il y a des mecs qui doivent s'y rendre, non? Oh, merde. Ils ont tenu, là, fait chier. Eh, les Allemands sont vraiment cons, quoi. Je vais prendre Berlin, ils disent rien. Bon, oh, dans le doute... Non. Merde, comment on fait? Voilà, tu prends Berlin, et puis tu reviens hélico presto. Parce que j'ai un peu peur des Allemands, voyez-vous. Ok, là, ils m'attaquent. Oui, bon, là, de toute façon, il n'y a plus grand-chose à dire. Allez, les mecs, là, ils vont mourir. Allez, les gars, on prend la ville juste là. Sinon, dans le sud, comment ça se passe? Bon, les Allemands... purée. Purée me... Et quand même, on est en juillet 1936, on a déjà pris du terrain, quand même. Attends. Ici. Avec eux. Bim! Ils vont pas se rendre, quand même. Mais si, ils vont se rendre, c'est con! Oh non! Non, vous êtes pas sérieux, quoi! Oh, mais non! Non, mais je suis désolé, camarade Kaiser, mais là, c'était vraiment nul! Ah, purée. Purée, mais je veux... Voilà. Non, mais camarade Kaiser, justement, je voulais éviter un truc aussi nul, je voulais qu'il souffre en face, mais non! Ouais, en plus, putain, c'est cher! Eh, c'est cher payé, la paix, quand même! Non, mais bon, ok, camarade Kaiser, ça te plaisait... Alors, Kaiser, je suis désolé que ça te plaisait pas, que je prenne pas les villes, mais... Non, justement, je veux pas prendre tous les états. Bah, y'a un bug ou quoi? Putain, y'a un bug, là, c'est pas possible. Eh, là, on troll l'autre, parce que y'a rien eu, du coup. Ah, le con. Hop. Putain, non. Oh,
Oh putain. Oh 1026 quoi, sérieux. Je pourrais tellement leur laisser quand même en fait. Voilà, on prend la ville. Et voilà. Non mais Kaiser justement. Faut que tu comprennes Kaiser, cher Kaiser, je voulais gagner la guerre en éliminant le plus possible l'ennemi. Bon, c'est amusant maintenant parce que là on va pouvoir leur botter le cul, mais là, bon, c'est. Ça gâche le suspense quoi, c'est. Non mais moi je faisais cette guerre pour m'amuser. Camarade, qu'est-ce que vous racontez là? Mais oui, quand je fais une guerre pour m'amuser, vous avez jamais vu de guerre? Oh putain. Oh putain, ils arrivent. Les Allemands, ils sont là. Vous avez intérêt à vous manier le train, parce que là ils sont partout là. Alors là, ça va être du. Ça va être un carnage là. Putain, mais il me défonce dans le sud. Oh, mais je me fais. Mais ravager quoi. Eh hey, allez les mecs, on y va. Bon alors, première chose, on les empêche de. Eh, si on leur enseigne les troupes là, ça pourrait être drôle. Bien. Essayons de leur encercler leurs unités de cave juste là, ça pourrait être. Allez, bim. Putain, bien sûr, les mecs, ils me résistent, quoi. Allez, on avance, les gars. On peut le faire. You can do it. Putain, c'est qui attaque là? Non. Oh là 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 là. Du coup, j'ai perdu combien de pourcents? Putain, j'aime bien les mecs qui me résistent. Ils ont plus d'unité nationale que moi, la honte. Putain, merde. Ils vont reprendre Berlin, non. Non, les mecs, je me suis pas battu à Berlin pour perdre Berlin dans le dos, en vrai. Non, mais. Là, petite attaque de soutien à nos copains. Au poteau, là. Non. Attends, toi. Non, attaque pas. Camarade Hoffman, n'attaquez pas, s'il vous plaît. Attaque ici. Là, faut qu'on perce. Putain, que là, ça va. Oh, ça va être un carnage, cette bataille d'Allemagne. Bon, en tout cas, là, on a un petit avantage militaire, normalement. Je pense. Enfin, après, je suis pas sûr. Bon, si on se débrouille bien en un épisode, on peut gagner la guerre civile, quand même, vous rendez compte. Ah non, d'accord. Lui, il m'attaque juste comme ça pour faire plaisir, quoi. Toi, replie-toi à Berlin. Allez, poteau, on se replie à Berlin. C'est bien, on est en train de les percer. C'est bien, là on est en train de les percer, ces petits coquins. Les là, les gars, allez, on met tout ici. Là, si on perce pas, c'est mort. Mais non, mais les mecs, y a qu'une unité de cavalerie, comment vous perdez? Mais bien sûr, les mecs, ils ramènent des troupes entre temps, bien sûr, bien sûr. Là, 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 là. Putain, c'est pas le moment de me faire chier avec ces events là, s'il vous plaît. Allez. Là, on leur sert quelques troupes et je pense qu'au niveau rage, ça va commencer à rager sévère dans l'état-major. J'aurais peut-être. Putain. Et on résiste à mort à certains endroits, non? Alors. Oui. Merci. Non mais. Je me disais tellement, si je prends Berlin d'un coup, ça va pas être drôle, ça le problème. Est-ce qu'on prend ça? 76, ça devrait aller quand même. Bon, on va se lancer dans. Électronique, l'infra ou. Qu'est-ce que je fais? Putain, oh là là, ça fait des bonus. Bon, allez, on s'occupe des infra. Rhineland, Westphalie. Westphalie, c'est pas à moi. Ah non, Westphalie, attends. Attendez. Oui, Westphalie, c'est à moi, donc ça va, on peut construire. Est-ce que j'ai des trucs à réparer à l'est? Enfin. Oui, j'ai que des routes à réparer, donc ça va. Putain, mais il est con ce jeu ou quoi? Je lui demande de baisser, lui, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais je te demande pas de monter jusqu'à la lune, triple andouille. Mais de combien de neurones il te manque, espèce d'imbécile? Oh, soldat guignol, vous êtes un incompétent. Non. Vous abusez, vous abusez, monsieur. C'est complètement faux, monsieur. Ouais, ils sont gentils, regardez ça, ils me laissent avancer. Alliance franco-espagnole. Oh putain. Oh. Alors en Espagne, si je me souviens bien, c'est un Bourbon en plus. Alors. Ah, ils ont rendu la Catalogne. Oh, t'es un petit coquin, toi, Napoléon, hein. Oh.
interdire les gaz empoisonnés. Ben, c'est plutôt une bonne idée, n'est-ce pas, sans vouloir faire de blagues de mauvais goût, ce serait pas terrible de tomber sur un gaz plutôt mortel. Putain, mais là, ils s'acharnent en plus. Ils vont pas arrêter, là, les mecs. Allez, les gars, mais non, ils sont juste mes doux. Non, mais je m'en fous. Ah, c'est Haute, Herman Haute, je connais pas. Pff, c'est les mecs. Chef, on croise un certain Herman Haute. Je suis désolé, mais ça me dit rien. Très bien. Très bien, très bien. Eh, là, les mecs. Non, mais là, les mecs, vous comprenez pas que là, si on perce, on est deux, on l'encercle tellement. Ah, c'est bien. Là. C'est bon, on les a encerclés. Allez, bim! Ça va faire quelques soldats en moins. Attends. Berlin a été libéré! Youpi! Les milices populaires et les soldats ont pris contrôle de Berlin. Nanana, c'est capital. Alors. Nanana, il y a beaucoup de business qui appartenaient aux Prussiens. Ah, ces maudits capitalistes s'enrichissent toujours sur notre dos. Alors. Ok, soit je donne du soutien aux anarchistes et je commence. Soit je fais pas chier les locaux, soit je gagne des fusils. Ben, est-ce qu'on prend vraiment des fusils? Des Gewehr? C'est quoi ça, des Gewehr? C'est bien gentil, mais c'est quoi des Gewehr? Que les Gewehr, c'est peut-être des avions? Non, je sais pas ce que c'est des Gewehr. On va pas faire chier les gens, parce que bon, on est peut-être en guerre civile, mais c'est des civils avant tout. Le concept d'une guerre civile, tu fais pas chier ceux qui sont justement pas de ton côté. Non! Oh, et là, on est en train de les défoncer en plus. Oh, magnifique. Oh, magnifique, on est en train de percer. Alléluia, là. Non, toi... Ah bah quand même, les mecs comprennent toujours pas mes ordres, quoi. Il y a qui s'acharne et qui meurt comme une merde, quoi. Hop là. Et là, dans le sud, on fait mal. Oh putain. Eh, c'est qui résiste? C'est qui m'attaque? Ah, c'est Gunderian. Coucou Gunderian. Là, je pense dans l'état-major allemand, ils doivent rager quand même. Je sais même pas s'ils savent rager dans l'état-major allemand. Bon, ça va, mes troupes, elles peuvent bouger. Parce que bon, là, depuis tout à l'heure, vous acharnez sur mes hommes, c'est pas terrible, là. Ok, ils ont interdit le poison. Bah, c'est plutôt pas mal en soi. Putain, mais d'où les mecs ils sortent? Bien sûr, c'est une unité méga cheatée. Ouais. Ça, on l'oublie souvent, mais c'est une unité méga cheatée, ça. Alors ici, qui est-ce? C'est Haute. Ah bah, Haute, j'ai envie de faire une blague sur Star Wars, parce qu'en fait, il y a de la... Non! Il y a de la neige. Et vous savez, sur Star Wars, il y a une planète qui s'appelle Haute. Qui fait froid dessus. LOL! Bon, parfois les mecs de Star Wars, ils ont des logiques. Voilà. Mais t'es vraiment con, tu... Voilà, mec, je lui demande un truc simple, il fait... Eh ben, je sais pas ce que j'avais dire. Bon, alors. Là, on va percer dans un petit moment. Au sud, je commence à me faire percer plus en plus, moi. J'ai intérêt peut-être à surveiller mes arrières. Bon, là, on est en train de se faire marave, mais quelque chose de sale. Mettez tes poteaux là, c'est bien, allez. Allez les gars, on peut le faire, vous pouvez le faire, ne me mentez pas, je vous ai vu le faire. Oh non, on va... Les Turcs vers... la Turquie est en train de devenir une monarchie constitutionnelle. Mais c'est magnifique. C'est magnifique, les capitalistes se rendent compte qu'ils font que de la merde. Ah bah enfin. Attends, je crois que... Oh mais non. Mais c'est normal, je me fasse défoncer ma ligne de... Mekal, qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi. Soldat Mekal, vous êtes un imbécile heureux. Yavol. Putain, là, ils sont en train de... Ils vont attaquer. Alors toi, mec, je vais vraiment pas te laisser avancer vivant. Alors là, vous, il y en aura aucun qui survivra à cette guerre. Aucun. Goulag. Boum. Putain, là, ils nous défoncent. Oh là là, qu'on se fait défoncer. Et que je suis méchant. Et que je me fais défoncer. Allez, allez, allez les gars, 5 km/h, qu'est-ce que c'est dans une vie, 5 km/h? C'est bien, on a fini des trucs électroniques, n'inquiétez pas, dans quelques années, on va créer un super jeu vidéo qui va changer le monde. Tetris? J'adore l'idée, on en fait 5000 jeux. Allez, allez, allez! Oui! Oui, on perce! Non, on fait pas!
Oh putain, cette percée monumentale, quoi. Et on perce. Allez, allez les gars, vous pouvez le faire, oui. C'est une magnifique percée. Alors, toi. Oh non, mais t'es pas sérieux. Putain, mais ils m'ont fait toute la ligne de front, là, mais... Oh putain, vous savez, je commence à en avoir marre d'être à la tête d'un état-major singe. Allez, tu vas ici, voilà. Allez les gars, vous êtes presque. Allez Gunderian, à poil Gunderian. Puis le mec, ils sont à 1 contre 5, ils résistent à mort, c'est pas possible. Ça va le cheat, les mecs résistent à mort, comment tu veux que je gagne? Mais 80, oui, ils ont cédé, oui. Ah ah, vous êtes percé, ville capitaliste. Je vais mettre un terme à votre idéologie barbare de répartition égale des richesses. Excusez-moi, ça c'est pour la petite vanne avec le JDG. Le JDG. Drôle de vrai. C'est bizarre de dire le JDG, je trouve. Si j'aime bien les mecs à côté, ils nous observent se battre, les Polonais doivent pas être très sereins quand même. Bon, ils se battent à mort, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merde, ils m'ont percé. Bah oui, c'est normal, mais mes troupes, elles se barrent. C'est... Oh, attends. Putain, j'ai cru que les Autrichiens, ils étaient avec eux, mais non, les Autrichiens sont nos amis. Ils se barrent. Mais c'est magnifique. Mais je vais vous tuer. Il y a plus personne. Très bien, vous êtes mort. Bon, le français là pour l'instant, il est encore occupé avec sa société des singes, on va appeler ça la société des singes. Mais, alors, normalement, poison gaz, ils en ont encore 3-4, donc du coup on est safe pour le moment. Qu'est-ce qu'on fait d'intéressant? Allez, on rajoute des fusils, ça va. Et on va bientôt pouvoir moderniser des unités, ça veut dire. Mais oui, messieurs, nous allons pouvoir moderniser notre glorieuse Luftwaffe. Armée de terre allemande. Tac là, toi, si tu peux. Ils sont en train de mourir de faim. Mais oui, ils meurent de faim, et pas me dire le contraire. C'est bon, les renforts arrivent. Niveau perte, je crois que ça a dû augmenter considérablement. 17 000 hommes, 41 000 hommes. Non, par contre, niveau avion, on en est à combien? Oula, au niveau avion, on se fait mais défoncer. Ah, purée. Combien y a d'avions en face, justement? 21, 42, ouais, mais... Ouais, mais le problème, c'est moi, niveau avion, je suis pas terrible non plus. C'est quoi, ça, c'est des... Oh, bah, tiens, on peut en rajouter d'autres. Oh, bah, c'est génial. Ah, oui, c'est génial, mais c'est pas terrible, quand même. Voilà. On va préparer une reconquête du ciel. Oh. Je devrais donner un style à mes pilotes. Je pense que si je devais donner un nom à mes pilotes, ce serait les pirates déserts. Je trouve ça stylé comme nom. Personne. Et là. Là, ça fonctionne. J'applaudis quand même, mais ça fonctionne. Vous ne passerez pas, vous ne sauverez pas vos copains en train de mourir. Parce que moi, mes hommes, regardez à quelle vitesse ils vont. Je suis déjà en train de gagner avant vous, singe. Maudit monarchiste. Par contre, là, il insiste, Gunderian. Ah non, ah si, pardon. Je disais, c'est Gunderian. Ah bah non, c'est pas lui. Allez, les gars, vous pouvez le faire. Vous pouvez percer. C'est bon. Personne qui descend. Putain, mais ils sont vraiment cons ou quoi? Je suis en train de les percer, ils le voient même pas. Ah, ça y est, c'est bon. Interprète Napoléon, donc... Pour ceux qui ont déjà vu l'épisode 1, vous savez de quoi je parle. Et donc là, en fait, on a trois idées. Soit on a Jomini qui est... Bon, déjà, si je ne sais pas ce que veut dire. Jomini, donc c'est sur les services secrets, c'est la victoire pour gagner. Clausewitz, c'est la guerre psychologique. Bulot, c'est... Bah, c'est l'expérience, on va dire. Et sinon... Alors, faut toujours prendre Clausewitz, surtout si vous êtes en guerre civile. Enfin, après, moi, c'est mon constat, mais... Si vous prenez pas Clausewitz, vous êtes dans la merde. Bon, Clausewitz, allez, on a gagné... 10 d'orgue et 20% de reconversion. C'est génial! Putain, mais regardez-les là. Il est vraiment en train de leur faire la peau et ils le voient même pas. Oh là là, mais cette percée monumentale! Non! Ah non, c'est moi. Quel gogol de... Mais le mec, mais qu'est-ce que je suis con, quoi! Le mec fait, ah mon dieu, on se fait percer! Ah bah non, pardon, c'est nous. Attends, toi, tu vas aller ici. Prendre la position. C'est bon, là, on est en train de se les faire. Allez les gars, vous pouvez pas perdre là quand même, faut... Vous dépêchez un peu là, parce que vous voyez pas le nombre de... Dites-vous qu'il y a vos copains là qui se battent à mort depuis tout à l'heure, c'est vraiment un miracle qu'ils tiennent.
Les quoi? Mais regardez leur état, quoi. Ils ont plus pas mangé depuis un moment. Comment ils peuvent encore se battre? Sans. C'est bien. Pas de battre là. C'est bon, ils ont arrêté l'offensive. Mais qui sont? Mais ils sont vraiment en coup ou quoi? Regardez ça. Ils sont vraiment en train de mourir de faim. Ah oui, oui, Gunderion, là, est en train de faire. Les gars, oui, général, est-ce qu'ils sont pas censés nous envoyer des armes? Ah merde, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous dire ça, chef, ils ont oublié de nous envoyer des armes. Ah bah très bien. Putain, si on termine la guerre suivante, cet épisode-là, ce serait bien. 19 minutes, c'est potable, honnêtement. Convention sur les prisonniers de guerre, bim. Merci, c'est intéressant, est-ce que je voudrais bien qu'on arrête de tuer les prisonniers de guerre? On l'oublie souvent, mais les prisonniers de guerre, c'est aussi des humains. Bon, écoutez, nous, au Parti communiste, on tue pas les prisonniers de guerre. On leur lave le cerveau. C'est pas la même chose. Là, allez, là, si on perce, on se prépare. On va préparer une offensive de la gueule. Putain, mais là, y a rien, mais on... Attends. Voilà, tu restes là. Putain, ils sont vraiment... Je suis vraiment en train de battre des unités en les laissant crever de faim. Ah non! Sonne pas toi, maintenant! Purée, je sais pas pourquoi mon chrono se met à sonner à... D'accord, je me demandais pourquoi ça avançait pas, mais si c'est... Putain, mais ce carnage! Carnage, alors seront lâchés les chiens de guerre. J'adore cette expression, pour être honnête. Putain, mais il y a trois divisions, là. J'ai presque envie de... Si on attaquait, je suis sûr qu'il y a plus grand-chose. 18, ouais, c'est... Ça va, quoi, on leur fait plutôt mal. Bon, on va lancer nos avions à l'attaque, voir ce que ça fait, mais si je mets... Si nos avions sont défoncés, là, je sais pas quoi faire, honnêtement. Alors... vous êtes bien en train de me voir, en train de galérer. C'est juste que le jeu ne sait pas pourquoi ne veut pas m'obéir. Alors, nos 17 bombardiers, vous allez... Exercice de pilote, on va peut-être éviter, hein. C'est la guerre, est un exercice, soldat. Allez. Est-ce que ça fonctionne? Oh oui, ça fonctionne, on est en train de leur faire la peau. Eh ben... Putain, on leur fait mal en face. Attends. Parce qu'ils ont perdu des avions, l'autre... Alors, ennemis, j'en ai abattu 10? Non. Je comprends pas ce que ça signifie, en fait, mais... Je sais pas manipuler les avions, donc écoutez, on va dire qu'on en tue en face, mais bon. Est-ce qu'ils en perdent, justement, en face des avions? 23-48. Ah, il se pourrait bien qu'on leur fasse des pertes. Bon, ça va, on leur fait des pertes aussi. Putain, là, ils me font mal. Allez. Non mais là quand cette offensive va être finie, il n'y aura plus rien en face. Mais regardez tout ce qui reste, quoi. On est... Si on regarde les chpères, comment ça monte? 44 000, ça va, ça augmente pas trop. Ça va, on tue pas trop de gens par jour, en fait. Mais là, il n'y a plus rien. Après cette offensive-là, ils sont tous morts, on est d'accord. Putain, on a encore 19 avions, quoi. C'est... Eh, mes pilotes, ils sont immortels ou quoi? Ça va, je perds pas trop de pétrole par jour, apparemment. Tant que j'y suis, on va envoyer nos bombardiers. Putain, 6 bombardiers, elle fait pitié, l'armée communarde. J'imagine trop un Stallman avec les avions en train de faire. Vous êtes l'avenir. Chef, on est cuite là, alors on va se détendre tout de suite. C'est vrai, vous êtes peut-être que 8, mais vous avez un grand avenir. Mourir comme des merdes? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est mourir pour la nation. Oui, mais bon, on est cuite, chef. Faut peut-être arrêter les conneries 2 secondes. Ah, c'est Goth. Gotthard Erin, si je crois que c'était marqué Gotaga, je vais me dire Gotaga en 1936. Il y a un truc pas net là. Allez, on prend contrôle de ce truc là. Et on leur fait mal. Bon, on va peut-être arrêter l'offensive dans le sud parce que là, si contre-attaque, je tiens pas. Et honnêtement, la dernière chose que je voudrais, c'est de perdre tout ça. Bon, sinon là, les 5-6 là, ils vont se rendre. Quoi? Non, mon tactile ne fonctionne plus. Bon, attendez, tant qu'on y est, on va pouvoir... Attendez, est-ce qu'il y a d'autres pilotes? Mais oui, j'ai des pilotes dans le nord et personne ne l'a dit! Ah non, c'est des avions, pardon. Ah bah oui. Enfin, je me disais aussi, bah tiens, pourquoi, d'où ils sortent ces mecs-là? Allez, vous! Closer support! Ici. Putain, 52%, on est en train de perdre la domination aérienne. À l'attaque! Oui! On leur botte le train! Allez! Putain, ça fait mal. 52%, ça va, on a la majorité aérienne.
J'imagine trop les pilotes en train de faire fauter si vous voulez que l'on ait la majorité aérienne. Il n'y a pas de troupes de ce côté. C'est génial. Il n'y a personne, moi j'avance direct. C'est bon, ils arrêtent leurs offensives suicidaires de ce côté-là. En même temps, bon, je vais pas les plaindre, vous avez vu la tronche de leur armée, c'est un peu normal qu'ils se fassent défoncer. Allez, allez, on les élimine là. Putain, là, il n'y a plus rien, quoi. C'est la mort. C'est la fin. Alors, où on en est niveau perte? On perd rien pour l'instant. 74%, ouais, je crois que prenant aux aéroports, on doit bien leur faire bobo au niveau du moral. Enfin, perso. Perso. Allez, on va prendre la petite usine qui est là. Faut bien les faire chier encore. Parce que j'aime bien faire chier mes ennemis. C'est pour ça que je voulais continuer la guerre le plus longtemps possible. Ah, ok. Il me manque. Fighter, merde, j'ai perdu des fighters. S'il vous plaît, dites. Putain, il y a des mouches. Fais chier. Je déteste les mouches. J'ai perdu combien de fighters? Ah, on a perdu un. Bon. On a perdu un fighter, c'est tout. Le mec méga déçu. On a perdu un fighter, chef. Je suis déçu, quoi. Je m'attendais à 5 fois plus. Hop. Hop, 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 hop. Où est-ce que tu vas, Jean-Pierre? Non, Godefroy, où pars-tu? Parce que là, franchement, vu la tronche de ton arme. Eh merde! Ah, le petit fils de chien qui essaie de me faire des pertes. Oh, que je suis méchant. Mais non, mais je te demande de pas attaquer, espèce de crétin. Mais de combien de neurones il te manque dans ton cerveau, engagé guignol? Bon, en même temps, tu vois la tête de mon général, il fait plus penser au mec de... Oui, il faut penser au soldat guignol, je vous assure. Ça, 6 barres, c'est magnifique. Bon, en même temps, vu comment on les démonte, faut pas s'étonner du résultat. Allez, là, on les démonte. Oui, je sais que j'ai les soldats encerclés, allez pas me faire chier avec ça. Eh, chef, on a les syndicats dans le dos. Eh, merde. Air supply. Ah bah non, on me fait pas d'air supply, mais mec, ils se démerdent, quoi. Le grand enfoiré, tu sais, bah. Qu'ils ont plus de soldats. Bah, qu'ils ont plus de nourriture, qu'ils mangent du pain. Qu'est-ce que je voulais que je leur dise? Bah, faut si mes hommes, c'est des imbéciles. Enfin, des imbéciles, c'est pas que c'est des imbéciles, c'est que c'est moi qui sais pas gérer mes troupes. Nuance. Hop, là, on se balade un peu en Allemagne. Bah, écoutez, on est en Allemagne, là. Les soldats. Écoutez, les syndicats vont se plaindre. Comment ça, il y a des syndicats? Bah, bien sûr, attends, je suis Allemagne. Je suis une communiste, monsieur. Bon, il commence à me taper sur les nerfs, là, l'autre. Qui c'est l'autre qui est en train de mourir? George Hans Reinhardt. Bon, ça va, les noms nobles. Les noms de nobles, on peut en faire encore mieux. Edward von Kleist. Bon, bah, là, j'ai plus rien à dire, monsieur l'agent. Mais c'est magnifique. Ils abandonnent leur territoire. Bon, là, c'est peut-être parce que je tue un peu tout. En effet, il est vrai, quand tu en tout, ça se passe mal. Allez, on avance. Oula. Oulalalala. Ouh, l'enfoiré, il veut me couper mes troupes. Prends-leur au moins les usines, là. Attends, c'est bien des usines? Non, c'est pas des usines. Ah, si, c'est des usines. Ah, bah, très bien, on les prend. Prends les usines. Ya, ya, ya. Hop là. Et je retourne là-bas. Prends même ça, est-ce que tu vas te faire mal sur le chemin? C'est bon, là on est en train de faire la peau, là on est en train de leur faire la peau. C'est bon, là on va peut-être commencer à avoir la peau des 5000 soldats qui sont encerclés. Là j'ai des mecs qui se battent depuis 1000 ans contre eux. Peut-être pas 1000 ans quand même, chef. Oui, excusez-moi, j'ai tendance à abuser sur les noms. 27 minutes, ben, cette guerre civile se termine plutôt bien, non? Presque envie de la finir dans cet épisode. Et en plus on peut. Ah non! Vous êtes encerclés, vous n'êtes pas censé bouger, non! Ok, on dit souvent, moi j'ai bougé pour les faire, mais là quand même. Mais... Allez, on va vous tuer ici. Putain, mais c'est incroyable, les mecs. Tu m'étonnes qu'ils résistent à mort, c'est des SS en face. Enfin, des SS royalistes. Bon. Non! Oh purée, et heureusement que j'ai l'œil, parce que là, franchement. Alors, toi, tu ne vas pas passer du tout. Alors, c'est moi qui te le dis, là, tu passes pas. Verdun, on ne passe pas. Bon, alors là, on va aller le long de la frontière. Montrez bien les drapeaux communistes aux Français, hein. Pour ceux qui ont vu ma vidéo de présentation sur le mode, vous savez de quoi je parle. Parce que disons que les Français, ils sont pas très cocos sur ce mode. Chef, ils ont massacré des femmes et des enfants. Bah, c'est ce que je dis. Excusez-moi, mais si vous massacrez des femmes et des enfants. Ah non, pardon, ça veut pas forcément dire ça.
Ah mince, je me suis bourré dans ma pardon, dans mes phrases. Enfin bon. Revenons à nos moutons. Alors là, on les empêche de passer. Putain, il y en a encore qui arrivent. Non ! Alors là, vous les laissez passer, c'est le peloton d'exécution directe. Putain, mais maniez-vous, oui ! Non mais, vous avez cru passer ? Ben non, passe pas, Verdun, on passe pas. C'est bon, il n'y a pas d'unité coincée là. Ça aurait été con, hein, on a perdu une division ici, quoi. Bah, 9 minutes, et ben cette guerre se déroule plutôt pas mal, on va pas se mentir. Que les Allemands prennent méga cher. Ah oui, merde, c'est vrai que j'ai des fusils modernes. Bon ben... On enverra des fusils au cas où s'il y a une guerre qui éclate dans le monde. Oui, écoutez, on est sympa, on aurait des armes à nos alliés. Ah bah Van Kleist, bah ça aurait été un honneur de vous capturer, mon cher. C'est bon, les fusils, je les ai gagné des usines, quoi, je déteste quand je gagne trop d'usines à la fois, je sais pas quoi en faire. Alors faisons un petit tour aussi du monde. Alors, dans le monde, en France, sont en train de faire leur bonus aristocrate, donc je pense pas qu'ils vont intervenir de sitôt. Les Turcs sont devenus démocrates? Purée. Ok, eux, ils sont encore monarchistes. Attendez, ils ont changé leur portrait de royen, de roi. Non, pas d'arbres pour l'Afghanistan, dommage. Ça aurait pu être cool, une Afghanistan... Bon, après, ça aurait été quoi les objectifs de l'Afghanistan? Ah ben, on le saura peut-être jamais. Là, on a la Suède qui a le Congo, ça, j'arrive toujours pas à y croire. Qu'est-ce que ça fout, là, ça? Bon, c'est pas, on faisait que passer, voilà. Les Anglais sont devenus fascistes. Alors, j'ai fait des recherches et... Ah non, attends. Oui, Arthur Harris est un célèbre pilote anglais... Putain, français. Anglais, voilà quoi. Un mec très connu. Alors, Mussolini, ouais, hein. Toi, t'inquiète pas, Benito, si tu commences à t'agiter un peu trop, si tu commences, comme dirait le petit poussé, à agiter ton spaghetti, je vais venir te le couper. Ce n'est pas une métaphore. Je vais vraiment faire chier Mussolini à mort. Allez, on va prendre Ulm. Oh, ça aurait été drôle qu'on affronte des Français à Ulm. Lalalalalala. Le mec qui fait des points Godwin, mais sur Napoléon, imaginez le troll. Putain, j'ai cru que j'avais pris la région pour les Francs, pour d'autres, mais bon. Non. Hop. Mais ah oui, merde, attends, hein, je me gourde de boutons aussi, très piqué. Alerte au Google. Non. Là. Voilà, c'est pas compliqué. Putain, tu m'étonnes, je suis une armée populaire, mais mec, ça va même pas utiliser des cartes, quoi. On va pouvoir arrêter l'offensive ici. Bon, là, ils passeront pas. Vu la tronche qu'il y a de survivants en face, ça va être un qui passe. Bon. L'offensive de ce côté-là. Putain, la masse de troupes qui arrive. French neutrality. Oui. Yes. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat, je te dérange? Alors là, je vous annonce officiellement qu'ils sont morts. Pourquoi? Parce que normalement, le français... Et je suis étonné qu'il le fasse aussitôt. Enfin, non, oui, normalement il le fait aussitôt. Et ben, il a un event lorsqu'il finit son arbre là. Il a un event parce qu'en fait, je vous rôle avoir déjà expliqué dans l'épisode 1. Et ben, on est dans une guerre, un peu comme la guerre civile d'Espagne. C'est-à-dire, personne ne peut venir nous aider. Et là, en fait, si le monarchiste se débrouille très bien, la France entre en guerre contre nous. Mais là, le français vient de constater, à refuser d'aider l'autre. Après des débats inconclusifs à l'Assemblée nationale. L'empereur français a décidé de ne pas intervenir dans la guerre civile en cours en Allemagne. Le mouvement monarchiste semble avoir subi de récentes défaites sur le terrain, mais le sentiment public en France voudrait aider ce vieil allié à la grande guerre. Actuellement, le roi de Westphalie doit se sentir mauvais. Bonne nouvelle pour président Tellman. J'aime bien quand même Napoléon IV qui fait « Oh, ils ont un peu gagné la guerre !» Mais regardez ce qu'il en reste. Il en reste 4-5 pâtés de maison. Bon, Munich, c'est pas un pâté de maison, mais... Mais ils ont plus rien, et ils osent me dire que la guerre est gagnée, enfin, est gagnée pour eux, mais non. Et heureusement que l'empereur, il est con, parce que putain, il va finir au goulag à cause de cette connerie. Moi, avant, je voulais aider mes alliés, et maintenant, je suis au goulag. La super fin de merde. Bon, concernant là, on va supprimer tout ceci. Et on va mettre tout ceci ici, et vous... Messieurs, vous démerdez avec ça. Voilà. Normalement, ça devrait peut-être passer, non? Bon, je pense pas qu'on va finir cette guerre ici, mais... Bon, là, ils font les cons, ils me voient pas du tout. Putain, je peux encore les encercler. Hé!
T'es donné des ordres. Ah, curé, maintenant. Oui, merde aussi, ça annule les ordres. Et fait chier. Je te demande d'aller à un point A, un point B, c'est pas compliqué. Voilà. Toc, 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 toc. Voilà. Pas compliqué, les ordres. Un ordre, c'est fait pour être compris. Et non l'inverse. Bon, là, on va aller les faire chier en allant ici. J'aime bien faire chier mes ennemis. C'est... Quelle est votre passion dans la vie? Faire chier mes ennemis. Bon, allez. Là, au niveau... Ils sont à 17% d'unité nationale en même temps. Il y a les Français qui viennent de les envoyer chier. 3 usines civiles et 5 usines militaires. Bah, ça va être superbe, ça, dans le... À la fin. Oh, putain. Attendez. Tant qu'on y est... Hein, parce que la guerre civile est en train de se terminer. Allez, à l'attaque, messieurs. Et voilà, on est en train... Oh, mais on peut tellement les encercler. Ah oui, merde. Voilà. Et les mecs, là, l'ordre... Ah merde, je donne l'ordre à une unité. Le mec complètement con, tu sais. Chef, c'est un peu suicidaire comme plan. Oui, alors, vous avez jamais vu de plan suicidaire? Allez, hop là. Non. Bon, je pense qu'on va bientôt arrêter l'épisode ici, tant pis. Allez, on prend. Ils ont arrêté, ils ont abandonné. Je suis vraiment en train de gagner cette guerre civile de la manière la plus vraiment cheap au monde. Y'a personne sur le chemin, c'est pas ma faute si je gagne. Allez, là, c'est qui? C'est pas Rommel? Non, Rommel était... Rommel est chez monarchiste normalement, mais qu'est-ce qu'il fout? Bah, il est comme sur R34, on dirait. Allez, on attaque! Voilà, y'a rien, y'a rien en face! Allez, père, qu'est-ce que ça donne? On est à 104 000 contre 38 000, là-bas, dites donc. Et c'est la guerre civile la moins meurtrière au monde? Enfin, bon, je dis ça, mais je pense qu'il y a eu des guerres civiles beaucoup plus meurtrières. Niveau avion, on a perdu qu'un avion. C'est la guerre civile allemande, on a perdu un avion. C'est pitoyable. Putain, ils en ont encore beaucoup. Mais bon, ils doivent plus avoir pétrole en même temps. Ils ont plus les Français avec eux. Ça doit moins rigoler dans... Ça doit faire la tronche dans le camp des Allemands. Enfin, dans le camp des monarchistes. Là, si on les encercle... Si on les encercle encore, ça va donner vraiment un truc ridicule. Bon, là, je pense qu'on va rusher à la guerre civile. Non! Qu'est-ce que tu fais, espèce d'imbécile? J'ai au moins éliminer leurs troupes. Ouais, merde. Ah non, non, attends. Voilà Gun... Et Richie, mais il est où Gunderian, merde? Bon là c'est bon, ils sont déjà morts d'avance. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Hein, quoi? Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez déjà perdu la guerre. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu as déjà perdu la guerre. Bien sûr, la guerre. Bon allez Gunderian, je te promets, si tu te rends, tu as une place au goulag. Ça m'intéresse pas, plutôt crever. Je veux pas mourir, plutôt crever. Et il est con le Gunderian ou il le fait exprès? Le fait exprès, chef. Moi, oh, bon, ça m'étonnait même pas de lui. Je l'aimais pas trop de toute façon. Allez. Cette avancée de l'armée. Ah, j'ai mis Munich dans la zone. Bon, bah tant pis, la guerre elle va être terminée plus vite que prévu. Allez! Allez! Gunderian qui va se faire capturer là. À moins qu'il soit là aussi, mais. Ah non, c'est riche. Ah, c'est bon, on a fini les infras. Youpi! Bon, bah, on va. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bon, industrie civile, ça a l'air d'aller. Les ressources, ça pourrait être intéressant quand même. Bon, allez, on construit une usine civile en SN. Construis le truc, te fiche pas de moi, je sais ce que je fais. Alors là, c'est qui? C'est List. C'est incroyable, il n'y a plus personne dans cette armée allemande. Non, ça... Bah, oui, je l'ai fait, ton event, te fiche pas de moi. Je peux faire des trucs intéressants de ce côté-là. Alors, je peux améliorer la condition des travailleurs. Franchement, je suis en guerre, j'en ai rien à faire des travailleurs. Changer de drapeau. Et le drapeau rouge. Ah, cette magnifique chanson avec le drapeau rouge. Le drapeau rouge du sang de l'ouvrier. Rouge du sang de l'ouvrier. Une fois que j'ai entendu cette chanson, je croyais que c'était Edith Piaf qui chantait, mais... On le devoir quand même, Edith Piaf. Allez, Gunderian. Ah non, Erin Chi, mais merde, il est où Gunderian? Il faut se barrer, tous ces singes. Oui, je traîne les ennemis de singes, et alors? Allez! Bon, je pense qu'on peut être en vitesse rapide à ce que là.
Voilà. C'est bon, on commence à avoir le goût de cette guerre, non? Voilà. Ah, bah regardez-moi ça, cette guerre civile devient est de plus en plus rapide. C'est bon, là, on les a éliminés. Gunderian, je te promets, si tu te rends, te donne de la bière. Ok, je me rends. Ça aurait été tellement drôle qu'il... Ah, bataille de Munich. Qui c'est qui dirige à Munich? Personne. C'est Ulysse, en fait. C'est le général Ulysse. 39 000 hommes contre 155 000. Et ben voilà. Cette guerre, elle aura même pas duré un an. D'habitude, je finis à... Échec de la cour internationale. Mais non, faut pas faire ça. Tu sais bien qu'une corde, c'est plus efficace qu'un tribunal. Oh! Oui, écoutez, c'est un peu rubis que je dis, mais bon. C'est peut-être horrible. C'est bon, là, ils sont rendus. Alors, 165 000 morts contre 41 000. Bah, ça va, ça aurait été la... pas été violente, cette guerre. Alors, il y a qui, finalement, ici? Gunderian. Bah, Gunderian, là, il s'est fait vraiment faire raboter le derche, on peut dire. Allez, on se rend, messieurs, allez. Et voilà, la guerre civile est terminée. Alors, pour être bien sûr de pas avoir trop de problèmes. Et là, j'appuie sur down et ce serait le troll. Satellite, the tete... Mais j'ai éliminé le Teutonic Reich, de quoi tu me racontes? Libérer tout. Ah oui, je peux libérer les territoires au Teutonic Reich. Bah oui, c'est... On a tous des claims de l'Allemagne, en fait. Tout. 208 points seulement? Putain, ça vaut rien. Oh, magnifique! La guerre civile est terminée. 26 septembre 1936, Thälmann fait un discours qui restera dans les mémoires. Je vous ai compris! Putain de Gaulle, qu'est-ce que tu fous là? Oups, pardon. Bon, bah... On va... faire ce truc, donc on va donner des trucs aux travailleurs, parce que maintenant la guerre civile est terminée, on s'intéresse aux travailleurs. Mais regardez, elle a de la gueule cette Allemagne, non? Regardez, la belle tache rouge à côté de la France. Alors on a des claims où sinon? On est, ouais, on a des... La Poméranie, normalement, c'est chez nous. Je me demande si on va faire l'Anschluss. Je crois pas qu'on peut faire l'Anschluss. Non, par contre, je voudrais bien récupérer l'Alsace-Lorraine. Enfin, pardon, excusez-moi, je voudrais juste récupérer la... oui, l'Alsace-Lorraine, si je peux, récupérer mes terres que... Le barin et tout, tout ça, c'est à moi. Donc, ben, j'espère que vous aurez bien aimé... Donc, ça aurait été une guerre civile en deux épisodes, donc... bon, c'est vrai que si elle avait duré plus longtemps, ça aurait été chiant, quoi. Bon. Alors, maintenant, nous avons terminé cette... Bon, j'aurais pas dû faire ça, parce que ça se trouve, le jeu allait cracher, mais... Pff, bon, bah, tant pis, on verra bien. J'espère que vous aurez bien aimé cet épisode, et je vous dis à la prochaine, au Fiederzen.